ne mérite pas des applaudissements, ça. Wow. Alors, sincèrement, on avait payé pour avoir les présentatrices. On a les chanteurs, on a les top modèles, on a les filles, on a leur maman également. Waouh, qu'est-ce que cette émission est ouf. Elles sont avec la maman. Hein. Oui, oui, elle est là. Ça, elle est là, elle est là. Ça, c'est bien. Donc, à l'attendant, l'annonce, elle sera là tout à l'heure. On parle de femmes au foyer et d'entrepreneuriat. Mais entre-temps, on a Shine et Sacha. Bonsoir. Sacha et Shine. Sacha et Shine. Ouais. C'est quoi la différence? La grande sœur. Même chose, même chose. Le roi de Nes. Alors, les filles, c'est comment? Très bien, Tata Fanny. On est. Ah, voilà. On est là. Ouf, elle est perdue. Mais attends, vraiment, c'est pas sur le, c'était pas prévu qu'on pose cette question, mais comment vous faites? La musique, la télé, qu'est-ce qui est venu avant? La musique. Et la télé? C'est venu après. Oui, je veux dire, pourquoi la télé? Ça, je vois pas le rapport. C'est-à-dire que vous aimez la musique et... On aime aussi la télé. Ah, d'accord. Ok. On a des gens qui vivent de leur passion. Oui, c'est ça. Qui vivent leur rêve. Oui, exactement. Ils travaillent dur, parce que moi, j'ai vu leur maman travailler. Franchement, chapeau. Oui, mais on fait comment pour, je sais pas, chanter, être à la télé et être bien à l'école? C'était bien l'année scolaire en passant? Oui, très bien. Je vais en première. En première? Déjà. Tu vas en première? Ça, c'est bien ça. Il faut que les gros yeux que nous on a à la maison voient. Voilà pour les gars qui sont en première. Définition de gros yeux? Les enfants qui regardent comme s'ils voient, ils ne voient pas. Pas mon enfant, hein. Ils sont nombreux. Qui voit? Voilà l'enfant de première. C'est-à-dire quand je vous regarde. Tu ressembles à une fille que moi j'ai connue à l'enfance, longueur Marilyn, et voilà maintenant longueur Ariane. Bien, longueur Marilyn et Ariane. Tu parles de ses camarades de l'époque. Petit sœur, quand il est en cours comme ça. Genre quand il te salue, tu croyais que l'ange Gabriel va descendre sur toi. Alors Edith Kawala, on a voulu les avoir, on a voulu les avoir avec vous parce qu'on voulait mettre sur la balance deux générations. Parce que vous êtes d'une génération et certainement c'est la génération qui vous suit juste derrière. Je ne sais même pas si elle est celle qui me suit, hein, parce que. Non, mais. Peut-être. Non, mais je suis très heureuse d'être là. Moi, je célèbre, je vous dis, c'est une grande année pour moi parce que je célèbre 50 ans cette année. Ah oui, voilà. 50 ans. On va refaire ça. Voilà. Et depuis que je suis arrivée, je dois vous dire, je vous regarde, je crois que vous avez même constaté, j'avais le petit sourire, parce que je regarde cette très belle jeunesse camerounaise. Merci. Je suis tellement heureuse de voir le Ndop, qui est un tissu que j'adore, qui est mis en valeur de manière très moderne. Shine avec ses bottes très tendances, qui a réussi à rendre un tissu typiquement camerounais, la rendre moderne, portée avec ses bottes qui sont le top. Je dois avouer que je regardais vos salamandères, Tangshus, qui brillent. Et j'étais en train de dire, voilà, moi je travaille pour la jeunesse camerounaise. Je travaille pour que cette jeunesse ait le plein potentiel de son avenir. Et ça fait énormément plaisir d'être entourée par des jeunes qui sont enracinés, parce que la racine est très, très importante, qui sont enracinés, mais qui sont en train d'utiliser leur talent pour s'épanouir. Et voilà, donc... vous avez fait ma soirée, ça c'est clair. Oh, voilà. Oh. Oh, tu ne pas rougir. Malheureusement plus de larmes parce que. Joyeux anniversaire, maman. Merci, merci. L'anniversaire est passé depuis, mais je fête toute l'année. Vous avez raison. Maman, c'est une grande année. Tu as un particulier avec les cheveux comme ça, toujours dans ta coupe là. Tu as tous les cheveux un peu enroulés, un peu long comme ça là. Alors. C'est sympathique. Ah mais moi je trouve ça très sympa. Voilà. Je regarde la photo avec le drapeau alors, derrière. Je super. Dois vous dire que j'ai mes cheveux naturels, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que mes cheveux sont en locks. Ah tu as fait des locks. Voilà. Comme les gens qui sont. Ah non. Ça. Il faut vous avez faire des enfants attention. En face, hein, quand même. Attention. Il faut faire attention. Parce que non, il faut pas. Et on se trompe dans nos racines. La chevelure africaine, voilà, elle loque naturellement. Et sa version la plus saine, c'est quand elle est en loque. Moi, mes cheveux sont jusqu'ici. Jusqu'où? Wow. Jusqu'ici. Ah, au bas du dos. Voilà, Kalaga, ne va pas me faire dire des choses. Ah, jusqu'au bas du dos. Et
et j'ai alors toujours ma coiffe africaine, parce que vous savez que je voyage partout, Vital Voices et tout ça. Moi, quand j'entre dans une salle, je veux qu'on sache d'où je viens, immédiatement. C'est propre, maman. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, même parce qu'à l'époque, c'était un moyen d'identification. Hein. Absolument. Il faut qu'on continue cette émission. Holidays arrivera à la fin avec Marker qui va venir nous parler de l'édition de demain, jeudi, à partir de 17h en grande première sur Canal 2. Avant, notre reporter Aline Fomette était sur le terrain. Elle a suivi la fameuse Hey Mommy. On aura l'occasion de la découvrir sous l'angle de la superwoman, la femme au foyer, la femme entrepreneur. Où est-ce qu'elle trouve la force pour faire tout ça? Dexter, le chroniqueur 2.0 que Shine et Sacha aiment beaucoup. Non, Sacha et Shine aiment énormément. Là, avec son chapeau au melon. Et bon, l'essentiel, tout ça. C'est les éléments de la lune. Ça brille. Jingle. Shine, Sacha.